Bonne rentrée 2020, bienvenue au Cégep de Jonquière. Dans cette vidéo, voici ce que vous devez savoir sur les nouveautés en lien avec cette rentrée particulière dans le contexte de la COVID-19. Première nouveauté, lorsque vous allez récupérer votre horaire sur Connect, vous allez constater que les cours débutent plus tôt, à 8 h le matin. La plage horaire est aussi passée de 50 à 60 minutes et les enseignants vont vous laisser du temps pour vous déplacer entre vos cours. Vous allez aussi remarquer, cette année, dans les cases horaires de chacun de vos cours, des abréviations entre parenthèses qui sont associées au type de cours que vous allez devoir suivre cette session. Donc, PR, ce sont les cours que vous allez suivre en présentiel, physiquement, en classe, avec vos enseignants. ELI, ce sont les cours en ligne que vous allez suivre sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix. Il est important de savoir qu'un cours en ligne doit être suivi au moment même où il est indiqué à votre plage horaire. HY, ce sont les cours hybrides, donc les cours présentiels et en ligne. Et à la première semaine de cours, les enseignants vont vous informer sur la modalité de chacun de vos cours. Il est aussi possible cette session que certains d'entre vous aient des cours en soirée. Donc, notre plage horaire cette session s'étale jusqu'à 21h le soir. Lorsque vous allez récupérer votre horaire, si vous constatez des difficultés ou des problématiques, la première chose que vous devez faire, c'est de vous rendre dans votre dossier Connect, dans l'onglet « Modification d'horaire ». Il vous est possible vous-même de modifier vos cours de formation générale. Vous avez la possibilité de modifier votre horaire entre le 17 et le 21 août inclusivement. Si malgré tout il vous reste des difficultés ou des problématiques, n'hésitez pas à écrire par courriel un connaître à votre aide pédagogique individuelle qui va regarder avec vous les solutions à vous proposer pour que votre entrée se passe le mieux possible. Toutes les ressources professionnelles sont disponibles pour vous, le service psychologique, les services adaptés, les centres d'aide, tout le personnel est là pour vous accueillir. Donc, on vous souhaite une belle rentrée 2020. On est là pour vous, on a hâte de vous voir. À très bientôt!